Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons du film Boule et Bill 2, réalisé par Pascal Bourdiaux. L'histoire, elle est divisée en deux parties. Une première partie où l'on va suivre Boule qui est toujours amoureux de Charlotte, mais avec un petit nouveau qui va débarquer dans l'école où il est, et bah il va essayer de montrer à Charlotte que c'est lui le plus intelligent et le plus beau surtout. Et de son côté, et bah, le père de Boule, il va avoir son éditrice qui va lui demander d'écrire des trucs un peu plus dark, parce que le bonheur c'est pas très vendeur, et donc il va essayer de pourrir sa vie en fait pour arrêter d'être heureux et essayer de découvrir la force du malheur et notamment sa force d'écriture. Le premier Boule et Bill était quand même une sacrée catastrophe. Un très 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 mauvais film qui avait très peu de respect pour la bande dessinée et qui essayait trop de se la jouer jeune vieux. C'est-à-dire qu'en gros, il se la jouait jeune, mais il était vieux et con dans sa manière de le faire. Cette suite est beaucoup plus légère, mais encore une fois, c'est moyen comme long métrage. C'est un film qui est divisé en deux manières de penser, qui sont assez étranges. C'est-à-dire qu'on a une écriture qui est plutôt subtile et assez jeune, assez fraîche, et on a une mise en scène qui est extrêmement lourde et pas du tout subtile en fait. Voilà, c'est le mot subtil, c'est loin d'être subtil la mise en scène de Pascal Bourdiaux. Par contre, au niveau du scénario, Benjamin Gage, à qui on devrait Libre et Assoupi, il y a maintenant 2-3 ans, offre là un film qui, au niveau de son écriture, est vraiment intéressant parce que c'est un film qui est extrêmement léger. On a des thématiques et une manière d'aborder les sujets qui sont à la fois faits pour les adultes, mais avec d'énormes guillemets. Mais le regard que ça porte sur l'enfance et surtout sur le développement de l'enfance et de l'épanouissement d'un jeune garçon au sein d'une famille, c'est plutôt bien amené parce que le fait que le père pète un câble en soi, ça peut sembler complètement ridicule, mais la manière avec laquelle c'est amené dans l'écriture, ça permet au film d'avoir une certaine réflexion quant à cette période assez difficile de l'enfance, où on doit apprendre à essayer de comprendre ses parents et également de savoir à quel moment est-ce qu'on se sent vraiment heureux. Est-ce qu'on sait quand on est épanoui personnellement ou est-ce qu'en tant que famille, on arrive à s'épanouir? Et c'est là en fait que le film devient plutôt intéressant sans être pour autant extrêmement réflexif. Encore une fois, ça reste des métaphores et de la réflexion qui est à hauteur d'enfant. Donc on n'est pas sur quelque chose de puissant ou de vraiment de l'ordre de la remise en cause, quoi. C'est juste une écriture qui est un petit peu plus inventive. Donc là-dessus, Benjamin Gage, il a apporté une fraîcheur qui est plutôt intéressante et qui permet au film d'avoir de jolies paraboles. Après, le souci, c'est que c'est extrêmement rushé, c'est limite bâclé pendant son dernier acte où ça devient vraiment n'importe quoi, et la psychologie des personnages est pas vraiment assez construite pour faire en sorte qu'on puisse complètement s'attacher à eux. En fait, on reste souvent que spectateur de leurs actions et on a du mal à pleinement comprendre l'impact de celles-ci. Ce qui fait que on est dans la compréhension du gag, on est dans l'appréciation de celui-ci, mais on n'est pas dans l'interprétation de celui-ci. On reste simplement à regarder et on n'arrive pas à se projeter à la place des personnages. C'est le gros souci de l'écriture de Benjamin Gates sur ce film, ce qui ne se ressentait pas dans Libre et Assoupi. Mais ça peut venir aussi également de la mise en scène de Pascal Bourdiaux. Alors, c'est bien de vouloir faire du cartoon, c'est bien de vouloir se la jouer BD et bande dessinée, mais bon, déjà c'est le deuxième film de Pascal Bourdiaux en l'espace de 3 mois. Et franchement, c'est pas du tout inventif là-dessus, c'est le b.a.-ba de la mise en scène type BD. C'est-à-dire, il y a des bulles, il y a des effets de BD, enfin, si c'est pas du tout inventif, en fait, c'est limite si c'est pas le cliché stéréotypé ultime du mec qui veut faire un film adapté d'une bande dessinée. C'est-à-dire, il se dit, oh bah tiens, bah, un film adapté d'une bande dessinée, bah faut qu'à un moment il y ait un split screen en mode BD, faut qu'on ait des transitions BD, faut qu'on ait des trucs qui interviennent dans l'image, il faut penser à des BD. Mec, c'est une BD. T'as pas besoin de nous rappeler que c'est une BD, on le sait que c'est une BD, c'est ridicule quoi, ça en vient vraiment, ça fait des sureffets de mise en scène qui sont pas vraiment intéressants. Et c'est ça le souci avec Pascal Bourdiaux, c'est qu'à chaque fois, c'est un metteur en scène qui veut se la jouer caméléon, mais qui se la joue caméléon extrêmement simpliste. Et ça fait que ces films, au niveau de leur mise en scène, ils sont pas vraiment extrêmement inventifs, quoi. Mais Trésor, c'était le même souci, c'était que c'était un plagiat de plein de petits bouts de films par-ci par-là. C'était même plus des références, c'était des plagiats, c'était le souci qu'on voyait à l'époque. Et là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que le mec, il prend une bande dessinée, il ne se dit pas « je vais transcender la bande dessinée », il la copie. Il la copie littéralement, c'est limite. On pourrait mettre certaines cases de BD à côté de l'écran du film, on reconnaîtrait exactement la même mise en place des situations. C'est gros souci de Pascal Bourdiaux. Et le casting, il est pas mauvais. C'est juste que Mathilde Seigner a moins la gueule de la mère de Boule que Marina Foïs. Et elle a pas le même type de jeu et ça rend pas super bien. Franck Dubosc fait du Franck Dubosc.
Donc ça marche, mais on voit plus l'acteur que le personnage. Charlie Langeudry, qui joue Bull, est plutôt bon sans être vraiment extraordinaire. En fait, on est sur un casting moyen au niveau des rôles principaux. Par contre, les rôles secondaires, qui sont Jean-François Quéré et Nora Hamzaoui, les deux sont excellents, vraiment excellents. Ils sont dans la caricature complète, ils sont dans le surjeu total, et ça rend vraiment bien. Après, la voix de Manu Payet est extrêmement horripilante dans ce film parce que c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd, sa voix. Elle est pas du tout, elle surappuie les actions. Et en soi, Manu Payet, c'est un bon acteur, mais en doublage, oh là 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 là. Mais en fait, c'est super mal écrit, les voix off. Tous les voix off de tous les animaux sont très très mal écrits. Enfin là, c'est un énorme souci. C'est plus un souci d'ordre d'écriture que vraiment d'acting parce que en soi, la voix off, elle est pas mauvaise. C'est juste l'écriture qui rend vraiment les voix off hyper horripilante, quoi, vraiment. Mais Bully Bill 2, en fait, c'est juste un film moyen, quoi. C'est un film qui a des bonnes idées d'écriture, mais qui sont plombées par une mise en scène qui est extrêmement lourde, qui a des acteurs secondaires qui sont intéressants, mais qui a des acteurs primaires qui sont pas excellents. Qu'en fait, Bully Bill 2, c'est juste un film moyen, le film de Pascal Bourdieu. Donc, en fait, à vous de choisir si vous avez envie de voir ce film. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez le 2. Si vous avez trouvé que le premier était pas bon, vous n'allez pas surkiffer le deuxième, vous allez peut-être juste le trouver moyen. Voilà. À plus!